Bonjour monsieur. Bonjour. Désolé pour mon retard. J'avais oublié mes chaussures à la maison. Bon, je laisse passer pour cette fois. Va dans le fond. Oui monsieur. C'est quoi? Tu laisses des larmes par terre, tu vas nettoyer après. Mais monsieur, c'est que des larmes. Eh ben tu nettoies, c'est de la saleté. Mais j'ai pas fait exprès. Bon, ton petit nom, c'est quoi? Texas, monsieur. Je regarde dans ma liste. Hop, c'est bon. Bon, ils sont où tes petits copains? Je sais pas, monsieur, je suis nouveau. T'es nouveau? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Mais monsieur, Oui! vous êtes sûr que c'est la bonne journée? Évidemment, sur mon agenda, c'est marqué. Bah c'est pas sur marqué ça sur le mien. Montre-moi ça. Ah bah non. Bitches, on est lundi. Oh, sale gamin, reviens ici. Non, monsieur, j'ai Reviens pas ici, je te dis. voulu. Non. Non, maman, il Reviens me tape. ici. Je vais Non. t'apprendre à parler anglais, moi, salaud. Non. Au secours, maman, il me tape. Viens par ici, sale gamin. Eh bien, salut tout le monde, c'est Clywood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo annonce rentrée 2014-2015 avec Texas. Salut à toi. Salut tout le monde. Et comme pour tout le monde, ou quasiment tout le monde, vous avez la rentrée le mardi ou le mercredi de la semaine prochaine, donc le 2 et le 3. Au choix. Sauf ceux qui ont la pré-rentrée, comme on peut le voir aux infos. Donc les écoles primaires, bon bref. Et donc j'espère qu'en tout cas les petites intros qu'on a fait, le professeur méchant, sévère, hein, bon bref, et l'élève bizarre, on va dire, les Oh, dis pas, je suis bizarre, et oh. pleurnicheurs avec ses petites trucs de berger là. vous a plu, donc c'est un peu lâché comme vous avez pu le remarquer. Bon. On passe à la suite. Donc le petit sommaire. Donc on va faire, on va dire nos vidéos. Et l'avancée de ce qu'on prévoit en fait de faire chacun notre tour, donc moi en premier, puis Texas en deuxième, puis après on fera un bilan, enfin un bilan. Ben disons qu'on fera ouais le enfin d'abord tu dis ce que tu fais, ce que tu vas faire sur la chaîne quoi, et ensuite je vais dire ce que je compte faire pour la suite, et ensuite on dira tous les deux ce qu'on compte faire en multi, parce que là en fait pour le moment on va parler un peu du solo, mais après ce qu'on voudra faire en deux tous les deux ensemble sur la chaîne, voilà. Exactement. Donc bah, je vais commencer. Hein. Merci. Vas-y, vas-y. Donc tout d'abord, faut savoir que les vidéos de League of Legends ne s'arrêteront pas là, puisque vous aurez toujours des analyses et des best-of, mais vous n'aurez pas de game. Oui, si vous En avez. live. Les games live, c'est qu'en fait c'est un peu dur, parce que le jeu peut a tendance à laguer avec Fraps, et en live c'est très dur à commenter parce que bah, faut être streamer, faut être entraîné, bon bref. Et donc c'est plutôt chaud. Donc je pourrais m'entraîner, mais bon. Moi je trouve ça Ah, chaud, bon ça bref. doit être long à prendre la main, ouais, j'imagine. Donc voilà. Donc moi je trouve déjà c'est pas mal. Peut-être des games juste enregistrés avec des potes, mais bon c'est chaud parce qu'on a quand même une chaîne à nous deux et pas avec d'autres personnes. Donc je ne pense pas que je vais inviter d'autres personnes sur des parties de League of Legends juste pour faire une vidéo. Bon voilà. Donc League of Legends ça s'arrête, pas là. Et je compte faire aussi une petite aventure Minecraft. Je ne sais pas le nombre d'épisodes, ça peut être indéfini comme ça peut s'arrêter très très rapidement. Donc je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise qui devrait arriver. Le premier épisode devrait arriver normalement avant la fin des vacances, donc j'essaierai lundi. Parce que moi pour Je prendre un... tiens à dire que je ne suis au courant de rien. Il est au courant d'absolument rien. Enfin, on va pas dire ça. On va dire que je lui ai proposé, il m'a dit non, et il s'en souvient plus depuis. Donc... Ben non, je m'en souviens plus. Donc il est au courant, mais pas tellement en fait, hein. Parce que je lui ai proposé en fait de faire une avec moi. Donc c'est chaud quand même, hein, s'il s'en souvient plus. Franchement, bon Non, bref. je m'en souviens plus, donc de toute façon, Et je pourrais pas vous dire, voilà. voilà. Je pourrais Donc pas vous voilà. spoil déjà. Et puis des vidéos découvertes pour moi, donc je continue rapidement. Et les vidéos découvertes pour moi, je ne sais pas où t'es, t'es dehors, très bien. Les vidéos découvertes pour moi donc ne s'arrêtent pas là non plus. Je vais en faire. D'ailleurs, je n'en ai pas encore fait moi-même, mais je vais en faire.
Bah moi j'ai Donc fait en celle de solo. Warface, mais c'est vrai que toi t'as... Bah si, t'as fait quand même Hearthstone ainsi que Happy War. Oui, ah, effectivement, mais c'est... Bon, bref. Ça Donc fait long. voilà. Et donc, bah, je te laisse la parole, Texas. Merci beaucoup. Donc moi, pour ma part, je voulais d'abord vous parler de l'esprit architecture que j'avais lancé il y a déjà un petit moment. Il est en stand-by parce que, enfin, vous l'aurez compris, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment d'inspiration pour le moment. Même si en ce moment on est en train de faire quelque chose qui devrait vous plaire et qui a un peu en rapport, enfin bref, on vous en dira plus tard. Donc moi de mon côté, le let's play architecture que j'avais commencé, je ne compte pas le continuer tout de suite pour ceux à qui ça intéresse, parce que tout simplement bah, j'ai pas d'inspiration et je sais pas trop quoi faire, donc faut que je cherche des idées et ensuite on pourra reprendre ça. Mais avant, faudra déjà que j'augmente un petit peu la. Enfin que j'avance un peu la map parce que c'est pas qu'on est en survie, mais on est en survie. Enfin bref. Sinon, je voulais faire des vidéos découvertes encore. Bah, ça va continuer. Hein. De toute façon, quand on trouve un bon jeu, voilà, on vous le fait découvrir à tout le temps. Bon, je joue pas d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des vidéos, bah, je voulais vous faire d'autres let's play sur d'autres jeux, donc pas que de Minecraft. Parce que c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas Minecraft, voir du Minecraft sur notre chaîne, bah, ça ne prête pas à s'y intéresser. Donc je vais essayer de faire des let's play sur d'autres jeux. Je sais que Unturned m'intéresse, mais évidemment, Unturned, c'était beaucoup. On l'a beaucoup vu passer en vue sur YouTube, donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc je vais voir, je vais chercher des jeux et après on verra si ce que je peux vous présenter. Donc je te laisse la parole, Clé. Oui, tout à fait. Donc faut trouver des jeux pour les vidéos découvertes. Et c'est dur. Et en plus, faut trouver des jeux qui ne sont pas beaucoup présentés. Donc c'est ça ce qu'il y a de plus dur en fait. N'est-ce pas? Oui, excuse-moi, qu'est-ce Texas. qu'il y a? Oui. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur dans les vidéos découvertes, c'est de trouver les jeux. Oula, pardon, excusez-moi, c'est ma Oui, chaise. De c'est trouver des clairement jeux ça. et des jeux qui ne sont très peu joués. Donc Ouais, parce que sinon ça ne va pas comme innover et puis ce sera. Unturned. Unturned, il est sorti il y a, je sais pas, il y a un petit bout de temps déjà. Il a beaucoup, beaucoup été Ah oui, publié il a sur clairement YouTube. été passé en Énormément vue. de vidéos, des guides, des let's play, voilà. Et ce qui fait que c'est très chaud, puisque un type de jeu, vous faites tout le temps la même chose, puisque c'est le même type de jeu. C'est pour ça que Minecraft est aussi, c'est même l'un des jeux les plus, je pense, les plus passés en revue sur YouTube, parce que clairement, ça a été un jeu qui a été une explosion de joueurs et de youtubeurs ont fait des vidéos dessus, donc même encore, Mais d'ailleurs. tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile Minecraft parce qu'il y a énormément de comment dirais-je, bah, de types de Possibilité. jeux. Vous pouvez faire Oui. énormément de choses sur Minecraft. C'est vraiment hyper intéressant. Et tout n'a pas été exploité, ça on le sait déjà, puisque la preuve depuis que c'est sorti, donc moi j'ai connu Minecraft, j'étais en 5e, j'y ai pas joué au début. Mais au départ C'est-à-dire il y c'était a juste un 4 petit ans. survie où vous devez tuer les zombies, les squelettes, voilà. Et survivre dans votre. Vous créez une petite maison, une tour. Et voilà, et là vous deviez survivre le plus longtemps possible, c'est tout ce qu'on faisait. Alors que maintenant, bah, il y a des Hunger Games, des mini-jeux, des serveurs énormes qui peuvent accueillir plus de 1000 personnes, c'est vraiment hyper impressionnant, des serveurs aventure. C'est ça qui est hyper intéressant sur Minecraft, c'est que vous avez énormément de possibilités, de choix qui n'a pas été encore exploré. Et donc bah, évidemment, c'est très dur à trouver, mais dès que vous avez trouvé, ça plaît forcément. Puisque Ouais, Minecraft, puis n'importe, vous faites n'importe quoi, c'est plaisant. ce qui est à noter, c'est que c'est un jeu hyper diversifié parce que déjà il est tout public largement de base, voilà, on peut dire ça. Et sinon, bah il y a vraiment, comme disait tout à l'heure, plein de modes de jeu et il est en constante augmentation. C'est-à-dire qu'il y a c'est tout le temps de l'ajout de contenu. Bon, c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour les débutants de commencer parce qu'il y a de plus en plus de blocs et de possibilités. Mais c'est ce qui fait un peu le charme du jeu et c'est ce qui fait qu'il est vraiment increvable entre guillemets. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Donc bah voilà, on a un peu parlé des vidéos découvertes et donc de Minecraft. Et donc, je vais remettre le jour parce que là on voit vraiment rien. Et donc je voulais donc. Oula, je me referme la porte au nez. Ça va pas le faire. Et donc maintenant on va faire un petit bilan. Non, pas, on va dire de ce qu'on pense faire tous les deux par la suite, pendant cette année, ce qui va être plutôt dur. Puisqu'on n'est pas, on n'est pas au collège, on n'est pas à un endroit où c'est facile forcément de travailler, tous les soirs vous avez juste quelques exercices et après hop vous allez sur l'ordinateur, vous pouvez jouer. Non, c'est plus du tout ça le lycée. C'est beaucoup plus Ouais, dur. clairement pas, surtout que là,
on commence à rentrer dans des trucs qui vont un peu, entre guillemets, déterminer notre avenir. Avenir, bref. Donc, vaut mieux pas rigoler là-dessus. Donc, bref, je pense que le rythme de vidéo va un peu s'estomper pour la rentrée. Déjà, je pense que déjà cette semaine, ça a été quand même relativement, je vais dire, safe. On n'a pas eu beaucoup de vidéos, tout simplement parce que on a eu des petits bugs. Donc, Ah, clairement, et moi, donc ça j'ai... risque d'être encore moins que ça. Vous allez encore avoir moins de vidéos que ça. Donc là, on en a posté, si je m'abuse, deux. Il y en a encore trois ou quatre qui vont sortir cette semaine, si on a du cul. Mais Ouais, clairement. c'est vraiment du cul, hein, si on les poste. Et donc ça va être Mais vraiment une à deux vidéos par semaine. Et ne déjà, vous inquiétez, je trouve ça ne pas vous mal. inquiétez pas, ouais, c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fournira un planning détaillé dès bah, un peu avant rentrée, disons, je sais pas, lundi. Là, cette vidéo doit sortir lundi à peu près. Enfin même, ouais, lundi. Alors je pense que le planning devrait sortir dans la même journée d'ailleurs. Donc vous devrez avoir un planning en fait aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va parler de nos vidéos à deux. Donc vous avez pu voir donc les vidéos parcours, les DH qui s'est terminée, la saison 2 qui s'est terminée, on a pu passer à autre chose. Donc les vidéos parcours qui sont plutôt fun, des petits best-of. Le premier épisode n'était pas un best-of, le deuxième oui, le troisième oui. Voilà, donc au moment où je parle, il n'y a que le deuxième qui est fait. Le Oui, troisième clairement. non. Le troisième non, il n'est pas encore fait. Et donc voilà, donc on a le vidéo parcours. Après on va faire sans doute sur des jeux qu'on a trouvés sur Steam, sur Voilà, autre. c'est vraiment c'est les jeux de Steam qui vont prendre. Bah, en fait, là, on va un peu passer à la diversification après le début. Hein. On va diversifier un peu en élargissant à d'autres jeux. Il y a plein de jeux qu'on a découverts et qui sont franchement bien, du style Happy War, qui moi j'aime bien personnellement. Qui est très marrant, très fun. Ouais, ou Internet évidemment, voilà, mais bon, ça c'était Après, tu passé peux en vue des peut-être millions de tenter une fois. petite vidéo, ça va pas tuer Oui, c'est vrai. le monde. Puis surtout que bon, voilà. Donc Bon, on pourra tenter, c'est faisable. mais ce Bref, qui est sur dur, ce... franchement, en fait, ce qui va être dur, en plus des vidéos couvertes, c'est vraiment les vidéos à deux. Pour la simple et bonne raison que ça va être, du coup, l'année, on n'est pas du tout dans le même lycée. Et ce qui fait qu'on a des horaires forcément différents. Ou alors, si on a les mêmes horaires, c'est vraiment du cul. Ah clairement, ah oui là par contre c'est clair que ça va être chaud. Donc à la limite le planning vous dira ça, mais ce sera vraiment. Les vidéos sortiront vraiment le week-end, hein, vous devez vous en douter. En même temps ça doit être plus pratique pour vous pour les regarder, si mais vous êtes également dans des classes où vous n'avez pas trop le temps. Enfin bref, je me permets un peu d'écourter, donc parce que je vais devoir aller manger. Donc bon appétit si vous voulez aller manger, bonne nuit, bonne matinée, bonne soirée, bon après-midi. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Je laisse Cliwood terminer cette vidéo annonce. Donc voilà, donc comme a dit Texas, je ne me répéterai pas, je ne le répéterai pas. Donc bah, on se retrouve pour sans doute une prochaine vidéo, du coup pendant l'année, puisque cette vidéo sera la clôture des vacances. Donc voilà, donc salut tout le monde. Bye.